Salut à tous, c'est Unwin et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. On est vendredi et comme vous le savez, je vais pas me répéter, hein, je vais dire tous les vendredis, vous savez que normalement, bah, c'est la présentation des nouveaux véhicules et aujourd'hui il y a un nouveau véhicule qui est sorti, donc je vais vous présenter ça tranquillement. On va aller dans mon garage, voilà, hop, garage de la suite, voilà, tranquillement. Donc alors, oui, donc vendredi comme je disais, nouveau véhicule et aujourd'hui il me semble que c'est une sportive qu'on a et ma foi ça a l'air pas mal. Je rappelle encore une fois, vous pouvez noter sur 10 ma customisation. Alors, ok, donc je me trouve actuellement devant le véhicule, la Oslo Jugular. Donc, je sais pas si ça se prononce comme ça, Oslo Jugular, qui a quand même une bonne accélération, une bonne vitesse max. Ouais, franchement une bonne traction. Ça m'a l'air pas mal comme véhicule. Donc je vous montre comment il est de base. Voilà, regardez. Au passage, si j'ai une voix bizarre, c'est que je suis malade en ce moment. Donc, je pense que pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez sans doute vu. Donc, voilà à quoi il ressemble. Hein. Ah oui. Déjà, juste comme ça, il est pas mal. Il est pas mal. Alors, je vais vous montrer quand même le prix du véhicule qui, ma foi, m'a l'air très cher. Après, bon, faut voir s'il accélère bien ou pas. Donc, c'est parti. Voilà, il coûte 1 225 000. Et il me semble que c'est une sportive. Hein, je suis pas sûr. Je crois que c'est une sportive. Hein. Vu la dégaine, hein, ça m'a l'air plus une sportive plutôt qu'autre chose. On peut pas voir. Faut monter dedans, je pense. Ouais, c'est une sportive, voilà, ce que je disais. C'est une sportive. Par contre, je sais pas c'est quoi comme véhicule dans la vraie vie. Jugular. Attendez, je vais voir sur internet. Parce que Jugular, dans la vraie vie, c'est quoi? C'est une Jaguar? Jugular. GTA 5. On va voir, attention. Ah non, apparemment, ils disent que... Si, c'est une Jaguar. Ah ouais, ok. Jaguar, après, ils disent qu'elle ressemble à... Il y a des airs de AMG et des airs de BM. Ok, au niveau du front supérieur, je sais pas quoi. Ok, donc apparemment, c'est une Jaguar. Donc, ma foi, c'est vrai que, bon... En fait, c'est la calandre qui me fait penser à une Jaguar. Je sais pas si vous voyez un peu. Puis même le logo Jaguar, il ressemble beaucoup. Ok, on va juste tester la vitesse. Ok. Déjà, elle a une bonne accélération, hein, franchement. Attendez, ouais. Il a une bonne tenue de route, hein. Une bonne accélération. Mais par contre, est-ce qu'il tient la route face à des... aux véhicules les plus rapides de GTA 5? Ça, on peut pas savoir. On peut pas savoir. Mais non, franchement, elle a une bonne tenue de route. Je vous fais écouter le bruit en dessous du pont pour vous voir un peu. Ouais. Ok. Ça va. Bonne accélération, bonne tenue de route. Maintenant, on va voir au niveau de la customisation. Et je rappelle que vous pouvez noter mon véhicule. Hein. Et honnêtement, voilà. Je suis juste allé là, voilà. Si vous avez des bruits de souris, c'est normal. Voilà, actualité, et juste regarder. Voilà, donc le prix, je rappelle que c'est 1 225 000. Après, avec toutes les customisations, je pense qu'on va en avoir pour un bon 1 500 000, je dirais. Alors, blindage, on met à fond. Frein. Frein de course, pare-choc. Alors, on a pare-choc rallongé. Pare-choc de course. Ou radiateur d'air apparent. Fois non, dégueulasse, radiateur d'air. Je vais mettre pare-choc de course. Pare-choc arrière, on a moustache et on a rebord carbone. J'aime bien les moustaches, moi. Moteur niveau 4. Échappement. Alors, on a boîte de conserve. C'est-à-dire. C'est pas des boîtes de conserve pourtant. Et on a échappement double, oui, forcément. Échappement double x 2, c'est magnifique. Explosif, non, L. L couleur 1, L couleur 2. Ok. Donc de série, c'est comme ça. Après, on a couleur 2 et carbone. Bon, on va laisser de série, je pense, pour le moment. Ce carbone, c'est dégueulasse. Voilà. Ensuite, calandre. On a rebord peint. Ouais. En gros, bah. Vous voyez, c'est un peu le. Vous voyez, sur tout le tour, ça fait tout le tour. On a double calandre et calandre sur mesure. Waouh! Ah oui, celui-là, il est stylé. Ça me fait penser au calandre des.
Des toutes nouvelles Merco. Vous voyez le devant? Ah oh ouais, trop beau comme ça. Ok, on met celui-là. Capot. On a capot de série peint. Ça doit passer comme ça. Ventilé épuré, carbone épuré. Double ventilation, triple ouverture, prise d'air peinte et prise d'air. Cette série est très très beau. Hein. Bon allez, pour le kiff, on va se mettre celui-là. Éclairage, phare xénon, kit néon, sport néon, couleur on sait pas encore. Motif, alors ah, voilà les motifs. On a qui est bande Oslo. Ok, je vois ce qui change. Ouh, stylé celui-là. Ok, cigarette, non, dégueulasse. Horrible. Encore pire celui-là. Waouh, c'est quoi ça? Ok, c'est un truc un peu japonais. Pourquoi pas? Atomique et prolapse. Honnêtement, le plus beau, ça reste celui-là. Hein. Moi, j'aime bien celui-là. J'aime bien aussi les bandes noires. Hein. Si on met ça, ça correspond bien à la couleur. Peinture, alors peinture, ça va être important. Si on met en couleur roux, je pense que ça peut être pas mal. En couleur roux, ça fait magnifique avec le noir que j'ai mis. Après, faut voir avec les autres couleurs parce que bon. Faut voir en rouge. Non. Ouais, franchement, couleur roux, c'est magnifique. Parce qu'après, on a ce qui se marie bien avec le ce qui se marie, pardon, ouais, ce qui se marie, ouais. Ce que je dis. Ouais, comme je dis, je suis malade, hein, donc forcément. J'ai un peu la voix qui part en freestyle. Ce qui va bien, je trouve, c'est le jaune ou le vert. On va mettre couleur crew. Couleur secondaire, c'est quoi qui change? On va mettre couleur crew aussi. En finition, on va mettre... intérieur blanc, non? Ouais, en blanc. Toi. On a toit normal ou toit en carbone, on va mettre toit normal. Bas de caisse. Alors on a couleur 1, couleur 2. On va mettre. On va mettre celui-là. Couleur 2. Aileron. Ah là ça va être important. On a aileron bas. Waouh, magnifique. Aileron bas couleur 2. Aileron de rue couleur 2. Aileron de course, aileron GT, aileron GT en carbone, aileron de drift en carbone, aileron de drift. Hein. Franchement, c'est le meilleur. Après, je sais pas vous dans les commentaires, mais pour moi, aileron de drift c'est le meilleur. Suspension de course, transmission. Hop. Par contre, je sais pas, mais je pense qu'on a un peu plus quand même de 300 000 en customisation. Alors, couleur des jantes, on va mettre un truc similaire à ça. Et comme ça. Comme ça, c'est pas mal. J'aime bien comme ça, après, faut voir, attendez. Les jantes, c'est toujours un truc compliqué. Low rider, non. Je vais voir en sport ce qu'on a. Ouais. Bah écoutez, on va partir sur cela. Voilà, je sais pas. J'aime bien, je trouve ça stylé. On n'a pas l'habitude de les mettre. Et regardez les calandres, elles ressemblent vraiment à une calandre d'AMG. Hop, couleur des jantes, on va mettre noir, voilà. Pneu.
Custom, non, c'est dégueulasse. L'épreuve des balles, fumée de pneus. On va mettre. Fumée crew. Voilà, fallait tomber ça. Et le dernier truc qu'il faut mettre, les gars, c'est le motif. Non, c'est. Hop. Où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es là? Le éclairage, voilà. Éclairage, kit néon. Couleur néon et on met couleur crew. Ok. Donc voilà la customisation que j'ai mis sur le véhicule. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Honnêtement, je le trouve assez stylé. Après, bon, je peux mettre un autre motif, mais bon, je sais pas si ça le fera bien. Comme ça aussi, ça fait pas mal. Le motif double bande, comme ça fait stylé. Ça me fait penser à une Dominator. Après, celui-là, tu vois, c'est pas un truc qu'on voit d'habitude, quoi. Ouais, c'est pas mal aussi comme ça. Ok, donc prix en tout, je pense, avec la customisation, on en a quand même pour un bon petit pactole, hein. On doit l'avoir pour 1,6 million. Qui est quand même un véhicule, ça fait quand même assez cher. Très bon comme véhicule, très très bon. J'essaie de drift avec eux, mais c'est pas un véhicule pour drift. Je me fais écouter. Ah ouais, il accélère quand même. Hein. Franchement, il a une bonne vitesse. Hein. Après, est-ce qu'il est plus rapide qu'une super sportive? Ça, je peux pas savoir. Si jamais on fait un test, on verra bien sur la chaîne de la salle. Mais en tout cas, pour le moment, au niveau de l'accélération, on est pas mal. Il a une très très bonne tenue de route. Et il est très beau, franchement il est très beau. Après le prix, je trouve 1,2 million, comme c'est comme un peu excessif. Ah, mais il a une bonne tenue de route quand même. Voilà, bon, je me tape tous les trucs, mais il a une bonne tenue de route. Ok, du coup, c'était la présentation de la Jugular Unwin qui a une voix, ma foi. Je sais pas si vous entendez ma voix. Elle est bizarre. Elle est plus bizarre. Ouh. N'hésitez pas à noter mon véhicule sur 10, moi je vais aller réparer tout ça et moi je vous dis bye bye, bye bye, bye bye.